comme le corps, on ne touche pas à la saignée en assaut. En assaut, oui, parce que c'est pédagogique, c'est plus dur. Donc, ici, c'est la saignée. Pour moi, elle recule un peu trop tôt. Elle est dans le haut niveau. Là, on est dans la formation. Je vous demande de sentir l'impact avant de reculer. Je recule trop tôt. Elles sont super testiques, mais c'est du haut niveau. Ce que je vois, c'est que tu sens l'impact. Donc, tu touches, ça fait ça, et après, tu recules. Recule pas trop tôt. Garde ta retraite. Maintenant, l'impact. 1, 2, 2. 1, 2, 2. À partir du moment où j'ai fait ça, je vais la faire sans faire. Je suis toujours dans mes phases. Formation, c'est son niveau. Si je veux qu'elle comprenne le geste, je le fais sans faire maintenant. Parce que j'estime que l'assise à la saignée, elle est hyper dangereuse. Faites attention. Ça, de faire ça tout le temps à la leçon, c'est super dangereux. Parce que la fille, ou je l'appelle le gars, il a du mal à transposer en assaut. Il ne sait pas à quoi ça correspond. C'est rare de voir des gens qui font des six au corps en assaut. C'est super rare. Par contre, le dégagement de l'octave, on voit que ça. Donc, tout de suite, dans mon accession au niveau, je la gradue dans l'espace. Et là, on va rigoler, parce que dans l'espace, c'est super dur. Donc, on fait la même chose, tu verras. Vous voyez, techniquement, c'est super dur. Elle recule trop tôt, elle lâche sa main. Voilà. Voilà, c'est là, tu recules un peu trop tôt, là, t'as le temps. 1 et 2, très bien. 1 et 2. 1 et 2, d'accord? Je la gradue comme ça. Dans l'espace, c'est super important. Après, je mets du haut niveau, je bouge, et je travaille dans l'espace. Attention, j'ai deux remarques. Un, foutez-moi la pointe dans la tête de l'adversaire quand vous attaquez, même en six. Pas des six comme ça. En formation, oui. Là, si vous voulez faire ça, et moi, j'ai jamais vu quelqu'un attaquer comme ça. Je préfère en formation, moi, mettre le bras ici, j'ai un peu long, et faire ça. Je préfère mettre la pointe dans la tête de l'adversaire parce que c'est ce qu'il va voir en assaut. Donc je vais me rapprocher le plus de l'assaut. Foutez la pointe dans l'adversaire, la pointe dans la tête de la prélève. Foutez-lui la pointe dedans. N'ayez pas peur. Alors, en formation, on se met comme ça. Là, je fais des six comme ça. Je fais des octaves comme ça. Voilà, doucement. En accession au niveau, je suis ici et je fais la pointe là. En accession au niveau, je vais un peu plus du bras, mais toujours du son du genre. Et au niveau, des fois, je fais des flèches comme ça pour qu'il allonge vite le bras. Et je fais des opposes. Copie contre copie. D'accord? Mais j'ai toujours la pointe dans la tête de l'adversaire, puisque une attaque, c'est avec la force.